L'iPad Pro est un des produits qui a fait le plus de buzz en 2018 lors de sa réédition et sa sortie sous le format que l'on connaît actuellement, à savoir assez carré, industriel, avec des angles assez prononcés. Et il a ouvert un tout nouveau pan du marché de la technologie aux marques telles que Apple et à nous, utilisateurs. Et si aujourd'hui, en 2023, tu hésites toujours à passer le pas et acheter un iPad Pro, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toutes et à tous, c'est Romain et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis juriste en droit fiscal et sur cette chaîne, on s'occupe de tout ce qui est amélioration de ton expérience universitaire et de manière générale d'augmentation de ta productivité dans la vie de tous les jours à travers l'utilisation de nouvelles méthodes, la présentation de nouveaux produits et évidemment la présentation d'applications. Alors pour rappel, moi j'avais acheté la version l'iPad Pro donc quasiment à sa sortie puisque c'était en janvier 2019. C'est l'iPad Pro 3e génération, donc à savoir celui qui n'a plus le petit bouton en bas et qui fonctionne par Face ID. Celui-ci c'est en version 11 pouces. J'ai pris la version la plus cheap de l'histoire, donc 11 pouces, 64 Go. J'avais quand même rajouté dès la commande initiale l'Apple Pen parce que c'était selon moi absolument nécessaire. Et par la suite, j'avais également acheté donc le Smart Keyboard Folio, donc est celui sans le petit trackpad puisqu'il n'y en avait pas à l'époque, c'était le summum de la qualité ça. Depuis ils ont sorti, comme vous le savez, le Magic Keyboard à quelque chose comme 400 et quelques euros maintenant, et j'ai pas upgradé depuis pour des raisons qui sont que je trouve que pour l'usage que je fais de l'iPad Pro, ce petit clavier un petit peu flappy convient parfaitement. Alors, pour savoir si vous devriez ou non acheter l'iPad Pro, ça va être une réponse extrêmement basique, mais il va falloir que vous fassiez un travail d'analyse sur vous-même, de savoir dans quel cadre vous auriez besoin de cet outil. Quand je parle du cadre dans lequel vous auriez besoin de cet outil, il va falloir que vous analysiez globalement, dans les grandes masses, si vous êtes plutôt orienté consommation de contenu. Donc, c'est-à-dire vous allez regarder, je sais pas, Netflix, passer du temps sur YouTube comme vous le faites à l'heure actuelle, traîner sur MyCanal ou autre plateforme de streaming, ou bien plutôt vous êtes sur la création de contenu. Quand je parle de contenu, c'est du contenu à la fois audiovisuel comme celui-ci, c'est également du contenu pour la fac. Est-ce que vous allez vous en servir pour aller en cours, ou bien est-ce que vous souhaitez vous en servir seulement une fois arrivé chez vous pour revoir les cours que vous aurez pris à l'ordinateur? Il est très important que vous sachiez vous placer dans l'une ou l'autre des catégories. Une fois que vous avez choisi ou déterminé la catégorie dans laquelle vous vous placez, et ça peut être très bien un mix des deux, ça peut très bien être à la fois création, à la fois consommation de contenu. Vous pouvez choisir d'aller à la fac et taper vos cours sur l'iPad Pro et vous en servir également lorsque vous ferez des révisions. Mais une fois que vous avez déterminé la catégorie dans laquelle vous vous placez, eh bien voilà les éléments, selon moi, enfin les catégories qui vont venir influencer le choix de savoir si vous devriez ou non prendre un iPad Pro. Et de manière globale, un petit peu mon expérience quasiment 5 ans après, puisque ça fait quasiment 5 ans que j'utilise mon iPad Pro. Première catégorie, à savoir l'écran et la performance de la machine. Donc l'iPad Pro est équipé d'un écran Retina de 11 ou 12,9 pouces. Vous allez pouvoir choisir entre ces deux tailles sur la base de deux choses. Évidemment le prix, puisque le budget n'est pas du tout le même. Et deuxièmement, ce que vous allez faire avec votre iPad. Si c'est que de la prise de notes, si c'est taper des cours à l'ordinateur, si c'est la création vidéo, je ne sais pas ce que vous faites, vous n'êtes peut-être pas seulement à l'université à taper des cours comme ce que je faisais quand j'étais à la fac de droit, mais peut-être que vous êtes dans une école de cinéma, une école d'architecture. Selon ce que vous allez en faire à l'université, vous pourrez choisir de prendre le 11 ou le 12,9 pouces. L'écran Retina propose un écran de très haute performance avec une grosse résolution et qui reste, pour un outil de cette taille-là, très lumineux à 600 nits, donc ce qui le rend parfait pour consommer du contenu, savoir traîner sur Netflix, sur YouTube, vous allez être très à l'aise là-dessus. Ça va vraiment être assez confortable, de s'en servir comme plateforme pour regarder du contenu. Outre l'écran, niveau performance, l'iPad Pro va être très performant puisque les dernières générations proposent la puce M2 en version 8 ou 16 Go de RAM selon la capacité de stockage pour laquelle vous allez opter avec l'iPad, qui va donc, comme vous le savez, vous proposer une capacité de traitement d'image, de traitement vidéo, évidemment de gestion des logiciels tels que Notion, Word, PowerPoint, je ne sais quoi, très élevé. Le mien, il n'est pas équipé de la puce M2 puisque, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en janvier 2019. Il s'agit donc de la version
version 2018, mais elle est équipée d'une puce A12 Bionic, qui était donc la version ultra sexy de la puce iPad à l'époque. Et cette puce, bien qu'elle ait maintenant 5 ans, me permet toujours de faire du traitement vidéo de très haute qualité en 4K, et il fait un rendu quasiment en instantané. Donc c'est-à-dire qu'une vidéo de 5 minutes, une vidéo de 10 minutes vont être traitées quasiment en 5 ou 10 minutes. Avec l'iPad Pro, on vous propose également un petit outil, un petit accessoire qui s'appelle l'Apple Pencil, qui est, comme vous le savez, il est très très connu. C'est la version donc deuxième génération, à savoir celle qui se charge directement depuis le côté, qui s'accroche comme ça et qui charge par induction. Donc ça, c'est vraiment très pratique de faire de cette façon, puisque la version précédente de l'iPad Pro, c'était une version sur laquelle vous avez une espèce de petit capuchon qui sautait ici avec une prise Lightning, et vous deviez le brancher de cette façon, qui rendait un truc complètement absurde et extrêmement fragile, puisque vous pouviez snapper et donc casser la recharge de façon très facile. Comme vous le savez, ça offre une précision très forte sur les dessins, une latence quasi nulle, donc il n'y a pas cette espèce de décalage entre le passage de votre crayon sur l'écran et le trait qui se fait sur l'iPad. Ça suit complètement la mine. Donc ça en fait un outil qui est quand même très intéressant pour tout ce qui est artiste, designer, également pour le traitement vidéo, puisque si on veut être précis sur un cut qui doit être fait à tel endroit et jusqu'à tel moment, c'est vrai que ça va être très sympa de pouvoir y aller très précisément avec l'iPad, avec le pencil, pardon, plutôt qu'avec votre doigt. À titre personnel, l'Apple Pen, je m'en sers quasiment uniquement pour faire du traitement vidéo sur ces vidéos YouTube et annoter des documents. À l'époque où j'étais à l'université, je m'en servais également pour faire des fiches de révision lorsque je les faisais encore à la main et que j'avais pas implémenté l'utilisation de l'application Notion dans mes révisions de tous les jours. Mais c'est vrai que 5 ans après, ça reste un outil qui m'est toujours très utile. L'iPad Pro propose également de nombreux logiciels qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité. Donc les applications que l'on connaît évidemment, qui sont Keynote, Numbers, Pages et leur équivalent chez Microsoft, donc à savoir Word, Microsoft, PowerPoint. Mais l'iPad Pro supporte également des applications telles que Notion, dont je vous ai déjà énormément parlé, qui est probablement mon application préférée sur iPhone, iPad et MacBook Pro. L'iPad Pro présente également des logiciels tels que LumaFusion, qui, à titre personnel, me permettent de faire du montage vidéo sur ces vidéos YouTube à un prix qui était, je crois, à l'époque d'une vingtaine ou d'une trentaine d'euros, ce qui est très raisonnable pour un logiciel quasi professionnel et qui a des rendus aussi intéressants, aussi rapides, avec une plateforme et une interface qui reste très intuitive. Quatrièmement, la facilité d'utilisation de l'iPad Pro. Si vous êtes un utilisateur fréquent, que ce soit d'iPhone ou de Mac, vous ne serez pas complètement perdu à l'utilisation de l'iPad Pro, puisqu'on reste toujours sous iOS. Donc là, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle, on doit être sous iOS 16, qui est sorti en fin d'année 2022. Mais c'est vrai que si vous êtes déjà habitué à utiliser ces appareils, c'est exactement la même interface, très très intuitif. Et par ailleurs, niveau facilité d'utilisation, c'est vrai que l'implémentation de Face ID sur cette plateforme et non pas de Touch ID, eh bien c'est vrai que ça rend la facilité d'utilisation encore plus grande. Et enfin, cinquième et dernière section de cette vidéo, la portabilité de l'iPad Pro, puisque c'est un appareil qui est très très mince et très très léger. Pour la version 11 pouces, on doit être sur 460 grammes et la version 12,9 pouces sur 680 grammes, donc ça reste quelque chose de très léger, ce qui en fait donc un compagnon de voyage quasiment parfait. Vous voyez que c'est un appareil qui est très très fin, donc il peut facilement être transporté dans un sac à dos, balancé dans une pochette, dans un sac de voyage avec vous, sorti dans un avion pour regarder les films et les séries que vous avez téléchargés en amont. À titre personnel, moi je l'emmène toujours partout avec moi, que ce soit en voyage, à l'étranger ou non, au travail évidemment pour annoter, pour prendre des documents en notes, et quand j'étais à l'université, pour l'amener à la BU ou en amphi. En résumé, l'iPad Pro est un excellent produit qui propose de très belles prestations à la fois pour consommer du contenu et en produire. Ça va être à vous de faire un choix réfléchi et intelligent pour savoir dans quelle case est-ce que vous tombez et est-ce que les avantages que je vous ai donnés pour chacune des catégories vont vous pousser à l'achat de cette tablette. La chose qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que quand bien même ça reste un excellent produit, mais vraiment un excellent produit, moi j'en suis fan, je m'en sers tous les jours depuis qu'il est sorti, ça reste un produit qui est cher, j'allais dire très cher, et en fait c'est vrai qu'il est très cher, ce n'est qu'une tablette et
À l'heure actuelle, je ne suis toujours pas convaincu par le fait que ça puisse remplacer un ordinateur en bonne et due forme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt un outil pour compléter un setup qui est déjà fait, plutôt que de remplacer un setup d'ordinateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut !